Vous êtes beaucoup, je n'avais pas réalisé. J'ai un petit peu le trac. Et si vous ressentez facilement ce que je ressens, vous éprouvez pour moi de l'empathie. En fait, le mot empathie a été créé en 1873 par Robert Fischer, un philosophe allemand. Mais il s'adressait essentiellement à l'être humain devant une œuvre d'art qui arrivait à décoder spontanément le sens de l'œuvre d'art. Depuis ce temps-là, ça a beaucoup bougé. C'est donc la capacité ou la facilité à ressentir ce que ressent la personne qui est près de nous ou devant soi, à comprendre son point de vue et à comprendre son émotion. Ce sont des qualités essentielles pour une documentariste et j'imagine que je dois en avoir un peu. C'est ce qui nous permet d'entrer en contact sincèrement avec nos personnages. C'est ce qui permet qu'ils ressentent eux-mêmes notre sincérité, donc qu'ils aient eux-mêmes un peu d'empathie pour nous. On parlait d'entrevue tantôt avec quelqu'un qui était assis près de moi. Pour arriver à faire une bonne entrevue comme documentariste, il faut vraiment être en lien intime avec l'autre et qu'il sente ou qu'il ressente qu'on est vraiment avec lui, qu'on ne le juge pas, et qu'on comprend parfaitement ce qu'il exprime et ce qu'il ressent. C'est ce qui m'a permis de travailler beaucoup avec la marge, donc avec des gens qui sont quand même assez loin de moi spontanément, mais pas tant que ça, parce que la suite de l'histoire va vous faire comprendre. Donc avec des prisonniers condamnés à de lourdes peines dans L'amour en peine, avec des jeunes de la rue dans L'armée de l'ombre, et précédant ça, les enfants de Refus Global. Je viens moi-même donc d'une certaine marge, pour ceux qui connaissent un petit peu mon histoire. Quelqu'un me disait avoir vu récemment les enfants de Refus Global. Mon père est un des signataires du Refus Global, du manifeste que... Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui connaissent le Refus Global, le manifeste? Oui. Donc, c'est, on dit que c'est le document qui a marqué l'entrée du Québec dans la modernité. On a voulu en finir avec une société sclérosée, avec un clergé qui dominait tout. Je déposais ça parce que on dirait que ça me distrait. Et avoir une liberté dans l'art et dans la vie. Donc les familles ont beaucoup éclaté à ce moment-là parce que c'était considéré comme une valeur de droite, une valeur traditionnelle. Et moi, je fais partie des enfants des signataires. Mon père était signataire. Si ma mère s'était décidée la veille, elle l'aurait aussi signé. Ce que ma fille est en train d'exprimer dans un roman qui sort ce soir. Les familles ont éclaté. Et j'ai voulu, au moment du Refus Global, au moment des enfants de Refus Global, le documentaire que j'ai fait en 1998, aller investiguer cette histoire-là pour essayer de comprendre si j'étais la seule à avoir vécu le choc de ce moment-là, qui était encore très, très marginal à l'époque. Les gens ne se séparaient pas autant qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de médiation. Donc, mon père et ma mère sont partis chacun de leur côté, avec un impact assez important sur nos vies, puisque j'ai perdu mon frère à ce moment-là, que j'ai retrouvé à 20 ans dans un hôpital psychiatrique schizophrène. Donc, mon histoire était donc inscrite dans une certaine marginalité qui m'a fait être particulièrement sensible par la suite à tout ce qui était marginalité d'un ordre ou de l'autre. Je me suis donc intéressée aux jeunes de la rue. J'ai fait l'armée de l'ombre avec 10 jeunes de Québec, sans avoir identifié que sur les 10 jeunes, 9 venaient d'une absence de père et que leur adolescence se poursuivait avec beaucoup de créativité dans la rue. Ils m'ont accepté avec leur stud, leur rat, leur mohawk. Ils m'ont testé en me faisant rentrer dans un squat qui était condamné avec des planches, monté jusqu'au 4e étage dans la parfaite noirceur avec 8 grands taupins tatoués jusqu'aux os.
Là, ils m'ont montré les lieux où ils fumaient, où ils chillaient, où bon. Après ça, on est redescendu, où ils se cachaient de la police. On est redescendu. Quand on est revenu dehors, ils ont replaqué le bois qui bloquait l'accès, mais sauf que moi, j'étais à l'intérieur et eux à l'extérieur. Ils ont trouvé ça très, très, très drôle. Ils ont ouvert la planche et ils m'ont dit, maintenant, là, il peut t'arriver n'importe quoi, nous, on va te protéger de tout. Et ces gens-là, qui étaient quand même très loin de moi spontanément, parce que je venais maintenant d'un tout autre milieu, se sont confiés à moi d'une façon vraiment unique sur leur vie, sur ce qu'ils pensaient. Et je pense que c'est cette capacité d'empathie qui fait qu'on peut arriver, même en silence, à communiquer avec des êtres et à ce qu'ils nous livrent beaucoup d'eux-mêmes, parce qu'ils sentent par l'attitude physique, par le regard, qu'on comprend parfaitement ce qu'ils nous expriment et qu'on ne les juge pas. Ça permet aussi le cinéma, leurs films, c'était leurs films, ils ont gagné un prix Gémeaux avec ça. Ça permet aussi de permettre aux spectateurs d'éprouver eux-mêmes de l'empathie quand ils regardent les films, parce que ces jeunes-là s'expriment avec une belle sincérité, une belle authenticité. Et pour ceux qui sont un peu doués d'empathie, quand ils voient les films, c'est des gens auxquels ils auraient sans doute jamais parlé, desquels ils auraient peut-être même eu peur. Mais l'écran de cinéma leur permet, sans danger, de ressentir et de comprendre ce qu'ils expriment. Ça crée un pont vers l'autre et ça brise l'isolement et ça permet plus de compréhension entre humains. À la suite de l'Armée de l'ombre, j'ai commencé à travailler avec les jeunes des Premières Nations dans l'optique de faire un film sur les rituels de passage. Et je me suis retrouvée à Wimontachi, dans une communauté atikamekw. Où on m'a présenté Wapikoni Awashish. Wapikoni, ça veut dire fleur en Atikamekw. Donc, cette jeune Atikamekw-là de 20 ans m'a accompagnée. C'était la leader d'un groupe de 10 jeunes avec lesquels on a écrit un scénario de fiction qui s'appelait La fin du mépris. À la fin de cette première version-là, cette jeune fille que je considérais comme ma fille, je logeais chez elle, je pliais son linge, elle sortait à peine de l'adolescence. Elle me guidait. C'est pas facile. Il y a des gens ici qui ont travaillé pour le Wapikoni, Catherine, Simon. On sait que l'accès à une communauté des Premières Nations, c'est un autre univers. Ma fille qui a voyagé à travers le monde, quand elle est venue pour la première fois à Wemontachi, m'a dit: oui, je suis allée partout, mais j'ai jamais été aussi dépaysée qu'ici. Elle me guidait dans la communauté, elle me permettait de l'apprivoiser, j'étais très attachée à elle. Et à la fin du scénario, sa voiture, il y a une petite route qui mène à Latuk, c'est une communauté au nord de Latuk, en poussière, on voit rien du tout, on s'annonce au CB, j'en arrive il y a 2 semaines à chaque kilomètre. Sa voiture a heurté un camion de bois mal garé en bordure de la route, qu'elle n'a pas vu dans la poussière, et elle est morte à peu près avec les billots. Elle est morte à peu près sur le coup, on l'a perdue et pour nous tous, c'était comme inacceptable. J'avais pu constater la détresse, le taux de suicide dans les communautés. On a cessé le scénario qu'on ne pouvait pas continuer émotivement et j'ai plutôt créé le Wapikoni Mobile. Le premier Wapikoni Mobile ressemblait à ceci. C'était une vieille roulotte qui était allée en Floride, je ne sais pas combien de fois, qu'on avait acheté pour 30 sous et demi. Et qu'on a transformé d'un bout à l'autre. La chambre à coucher est devenue une salle de montage, la douche un studio de son, le lieu principal un lieu de rassemblement et d'apprentissage de caméra. Et ça a été cofondé, comme le disait Guillaume tantôt, par le Conseil des jeunes des Premières Nations et le Conseil de la Nation Atikamekw, donc je ne suis qu'un tiers de cette fondation-là. La roulotte ressemble maintenant à ça, on en a quatre. On a un vrai, vrai studio de son parce que dans les communautés des Premières Nations, il y a des musiciens extraordinaires qui méritaient un vrai studio de son avec du matériel à la fine pointe de la technologie. Catherine, ça va te donner envie de recommencer. Une salle de montage beaucoup plus performante, beaucoup plus conviviale. Et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. On a visité jusqu'à maintenant 28 communautés, donc 3 500 participants de 9 nations différentes et 800 courts-métrages ont été réalisés au fil des ans.
qui sont autant de ponts vers l'autre, donc autant d'occasions d'éprouver de l'empathie pour les Premières Nations ou les individus des Premières Nations qu'on connaît trop peu. Ces films-là leur permettent de s'exprimer, de dire ce qu'ils vivent. Richard Desjardins l'appelait le peuple invisible. C'est une façon de le rendre visible, de le faire connaître et de vaincre le racisme et les préjugés. Donc, jusqu'à maintenant, ils ont gagné, mais je pense qu'on est rendu à 88 prix. Il faut changer pratiquement chaque mois. Et comment on fonctionne, c'est qu'il y a à chaque fois deux cinéastes formateurs qui s'en vont dans les communautés, des cinéastes professionnels et performants, des jeunes de leur génération, avec un intervenant jeunesse, un coordonnateur local et un assistant formateur autochtone ou un formateur autochtone junior. On reste 5 semaines par communauté. Il se fait une moyenne de 5 films à peu près. Ce sont les idées des jeunes et un apprentissage technique. Ils ont à leur disposition tout le matériel technique pour faire leur propre film. Et à la fin du mois, ils montrent le film devant toute la communauté. Donc, c'est une belle occasion de fierté pour eux. Et c'est en général le chef qui vient pour les encourager, présenter la projection. Voilà. Alors, il y a toutes les étapes de formation. Il y a la scénarisation d'après leur idée originale. Et souvent, l'écrit n'est pas ce qu'ils préfèrent. Donc, souvent, le scénario est oral et c'est bien correct. Et ils constituent après ça des équipes de tournage d'après leur idée. Donc, le caméraman, le preneur de son, celui qui trouve les lieux, celui qui va faire les entrevues, celui qui va écrire la narration, l'enregistrer. Et il s'est créé au fil du temps. Au départ, les aînés étaient extrêmement méfiants, avec de bonnes raisons, parce que moi, je suis la figure la plus visible, et puis l'équipe est souvent non autochtone de formateurs. On est en train de former des cinéastes qui vont être autochtones majoritairement, on l'espère, d'ici quelques années. Mais au fil des ans, la confiance s'est gagnée. Alors là, ce que vous voyez, c'est un film tourné à la romaine. C'est Kevin Bellefleur qui est à la caméra, il filme ses grands-parents. Qui en profitent pour transmettre leurs connaissances. Et là, on parle de la chasse à l'ail d'air pour que le gouvernement sache qu'il ne gaspille rien, ils le disent dans le film, et pour que la jeune génération sache comment on chasse l'ail d'air. Beaucoup de musiciens, et certains, par exemple, il y en a un qui a signé avec Universal maintenant, qui a commencé donc dans la roulotte. Vous connaissez Samian peut-être? Bon, Samian, quand on est arrivé à Picogan, sa communauté, pour la première fois, il nous attendait de pied ferme, il avait entendu dire qu'on arrivait, on est arrivé, il nous a reproché d'être arrivé à l'Indian Time, alors que lui était vraiment là. Il avait un passé qu'il ne cache pas, là, qui était plutôt délinquant. Et il avait écrit des raps en prison. Et il est venu donc enregistrer des vidéoclips 1, 2, 3, 4 dans la roulotte. Et maintenant, il a la carrière qu'on lui connaît avec 3 CD et le prix du meilleur album hip-hop l'an passé, il y a 2 ans. Donc, puis c'est notre porte-parole maintenant. Voilà à quoi ressemble le studio de son maintenant. Alors, l'étape la plus difficile, évidemment, c'est le montage. C'est ce qui s'acquiert le plus lentement. Là, on voit Chanouk Newashish ici, qui, lui, est rendu monteur, qui, par exemple, au Centre d'amitié autochtone de la TUC, prend des contrats et peut gagner partiellement sa vie avec ça. Ici, bon, c'est deux histoires dont je suis assez fière. Abraham Côté, que vous voyez en arrière, quand on est arrivé à Kitigan-Zibi pour la première fois, Abraham travaillait dans un commerce de tabac à peu près grand comme ma main, comme on peut trouver dans les communautés autochtones. Aujourd'hui, il enseigne l'audiovisuel à l'école secondaire de sa communauté. Et voyons, Kevin ici, que vous voyez, Kevin Papati de Kitisakik, petite communauté sans eau courante et sans électricité, est en train d'écrire un long métrage, a voyagé à travers le monde et créé des liens avec des créateurs cinéastes un peu partout dans le monde. Ça, c'est les projections avec la prise de parole des chefs chaque fois. Et comme on sait qu'il n'y a pas beaucoup de diplômés, même en secondaire, dans les communautés, on remet un certificat pour l'acquisition des compétences à la fin. Et souvent, ils sont encadrés dans leur chambre après parce que c'est peut-être le seul diplôme que plusieurs d'entre eux vont avoir. Voilà. Et c'est l'occasion pour eux de prendre la parole aussi, parce que très généralement, ils sont assez timides et ça fait aussi partie du développement des compétences de pouvoir prendre la parole à l'avant, parce qu'ils auront à la prendre après ça dans des congrès, dans des colloques et un peu partout.
C'est un peu ce qu'on essaie de développer, l'espoir, l'estime de soi, le respect des autres, l'entraide, la prévention. Bon, on travaille en prévention du suicide. Ça, c'est de leur point de vue, mais comme la thématique est de l'empathie, de votre côté à vous, c'est justement l'accueil de ces réalités-là, une plus grande compréhension, donc une plus grande empathie de ceux qui vivent là-bas, dont on connaît trop peu la réalité. Là, il y a de plus en plus d'échanges. Au Canada et dans le monde, au moment où je vous parle, il y a des CUNA du Panama qui sont à Kitisake, justement, et auparavant, il y a 3 semaines, il y avait à Manawan, qui est une petite communauté atikamekw, des Mapuche du Chili qui étaient là-bas. Donc, on fait de plus en plus là, ça, ce type d'échange-là, avec de la co-création, ils font des films ensemble sur des thématiques communes. Ce qu'on développe aussi, bon, on a développé beaucoup de partenariats pour qu'ils aient un perfectionnement tout au long de l'année. Donc, l'UQAM leur donne un perfectionnement post-production. Et on développe aussi, d'ailleurs, je vous le dis à vous, parce que peut-être qu'il y en a qui seront intéressés, on offre maintenant leurs services pour qu'ils puissent réaliser des contrats professionnels rémunérés. Alors, si certains d'entre vous ont des corporatifs, par exemple, à faire pour leur organisme ou en prévention suicide ou des messages à faire passer et vous avez besoin de vidéos, sachez qu'il y a de jeunes autochtones qui ont toutes les compétences pour le faire et que ça les aide vraiment. Bon, oui, ça c'est important d'ailleurs. Prenez ça en note. Le 8 octobre prochain, ça vient très vite, à 18h, au cœur des sciences de l'UQAM, dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma. Tu me diras quand j'approcherai du 20 minutes. J'approche? Ah oui. Donc, il y a le lancement annuel. Chaque année, ils descendent de leur communauté. Il y a une projection d'une sélection des œuvres de chaque communauté. Et ça vaut vraiment la peine de venir les encourager parce que c'est une sélection d'œuvres vraiment intéressantes qui vont commencer par la suite leur voyage dans le monde. Là, on est aussi actif au Pérou, au Panama, au Chili et en Bolivie, où on donne des ateliers Wapikoni également. On est aussi en lien avec les Samis en Finlande et en Norvège. Ben, là, vous avez vu rapidement toutes les communautés où on est allé, mais tous les endroits dans le monde, comme le Japon, par exemple, l'Exposition universelle de Japon. Du Japon, leur film était là. À Vancouver, aux Jeux olympiques aussi. Et là, quelques histoires de succès. Bon, Raymond Kaplan, c'est une très belle histoire de succès. Quand on est arrivé à Lestigouche pour la première fois, on a besoin de brancher la roulotte, on a besoin donc d'un électricien. Et le père de Raymond Kaplan était donc l'électricien, est venu brancher la roulotte et nous a dit qu'il s'inquiétait beaucoup pour son fils, qu'il ne voyait jamais, qu'il était toujours dans son sous-sol, si on pouvait faire quelque chose pour l'inviter. On est allé le chercher, il est venu dans la roulotte, mais dans son sous-sol, il dessinait d'une façon faramineuse. Il a fait sa première animation dans la roulotte. Je l'ai montré à l'école des Gobelins à Paris. Et maintenant, les Gobelins lui ont offert une école gratuite d'été. Et maintenant, il étudie à Concordia. Il commence sa deuxième année en septembre. Et c'est vraiment comme un changement de vie complètement. Jenny Bellefleur, qui vient de la Côte-Nord, par exemple, une jeune Innu, elle vient de terminer sa première année à l'INIS, l'Institut national de l'image et du son. Et Philippe Lavalette, qui est ici présent, a fait la caméra des courts-métrages qu'elle a réalisés là-bas. Chizo, Frédéric, qui était dans la rue, a réalisé 2 films, dont un va sans doute être au Festival du Nouveau Cinéma cette année. Kevin, je vous en ai parlé. Louis-Philippe Moore a signé avec Universal. Allez à l'ONU. Et pour qu'ils prennent la parole. Et Emilio Wawati a pris la parole au nom du Wapikoni l'an passé et a fait valoir les droits des Premières Nations. Je vais vous passer un très court film parce que je suis dans mes limites de temps. Ça va? D'accord. Je dois vous dire, ben, je vous le dirai peut-être après. Je ne sais pas qu'est-ce qui est le mieux pour vous. C'est un petit raccourci historique qui permet de comprendre ce que vivent les Premières Nations peut-être de l'intérieur. Je vais peut-être vous dire avant que la jeune fille que vous allez voir sur la balançoire à la fin, elle n'est plus vivante maintenant. Et peut-être que ça va aussi stimuler votre attention et votre empathie.
Tout ceci pour dire que ces films-là servent de pont vers vous, de pont vers l'autre, donc suscitent l'empathie. Et l'empathie, normalement, a comme pouvoir de faire tomber les barrières, d'élargir les horizons, d'être ouvert à l'autre quel qu'il soit, de quelque origine qu'il soit, de quelque couche sociale qu'il soit, de quelque difficulté physique qu'il ait. L'empathie permet de s'ouvrir au monde.